Bonjour, bienvenue sur Scooter et Méca Boîte. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc on va faire le remplacement du bras auxiliant. Ça y est, j'ai réussi à en trouver un avec un patin de chaîne. On va remplacer le disque de frein arrière, les plaquettes de frein arrière. Et puis ça sera tout. Lors de la dernière vidéo, avant le live, j'avais parlé de remplacer le mètre-cylindre de frein avant. Ça ne se fera pas parce que je n'avais pas les moyens de tout acheter. Là, le disque de frein arrière que j'ai commandé, c'est en fait j'ai réussi à me commander grâce à mes points de fidélité chez 50 Factory que j'avais accumulé depuis plusieurs années. C'était des points que j'avais que j'ai jamais transformé en bon d'achat. Ce qui fait que j'avais un total de presque 20 € de points de fidélité donc, que j'ai utilisé. Et c'est grâce à ça que j'ai pu commander mon disque de frein. Et le mètre cylindre de frein avant, bah, ça sera fait un peu plus tard. Hein, ça, pour le moment, ça fonctionne. Hein, c'est juste que moi, il me plaît pas celui qui est dessus. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vous fais le démontage du bras arrière en accéléré, vu que c'est déjà une étape que j'ai filmée. Donc voilà, j'ai enlevé le vieux bras auxiliant. Là vous avez le nouveau sur... J'ai intermis la fenêtre, je crois qu'on s'est décidé à me faire chier. Aujourd'hui, je pense. Donc j'essaye de vous orienter mieux que ça. Alors, comme j'ai expliqué déjà... J'ai pas d'objectif grand angle sur cette caméra, donc on fait avec les moyens du bord. Donc ça c'était mon bras auxiliant d'origine de la DT. Comme vous pouvez voir, il est bien rouillé, hein, voilà, sacrément bien rouillé d'ailleurs. Ça, c'est le bras auxiliant que j'ai commandé d'occasion. Hein. Il n'y a pas photo, il est quand même en meilleur état. Les filetages sont bons. Je vais démonter les deux patins de chaîne et je vais vous montrer ça.
Ça, c'était le patin de chêne. D'origine de mon DT. Comme vous pouvez voir, il est cassé là. Il est cassé là. Et si vous regardez bien, il n'y a plus beaucoup d'épaisseur. Ça, c'est le patin de chêne que j'ai eu avec le bras auxiliant. Donc, bah, il est un peu marqué, hein, mais bon, ça, on s'en fout. Il est en plutôt pas trop mauvais état. Il a encore toute sa rigidité. Tandis que celui-là, voilà. Donc vous comprenez bien que le patin, il était complètement mort. Alors le truc que je trouve vachement con, c'est que le patin de chêne n'est plus fabriqué par Yamaha. On ne peut plus l'avoir. On pouvait l'avoir chez Enduro 24. Donc cette pièce-là, plus la pièce que j'avais rectifiée, l'espèce de demi-rond qui se trouve sur le châssis, avec les frais de port, ça faisait 87,54 €. Et j'ai pas l'habitude de foutre 87 € dans des bouts de plastique. Le châssis, le bras auxiliant, je le change parce que sur le mien, j'ai les cylindres blocs qui sont morts, hein, les deux cylindres blocs qui est là, et de l'autre côté, il commence à être craquelé sur le mien. J'ai les filetages. Pour le tendeur, les tendeurs de chaîne qui sont baisés, bah, il est rouillé. Bon, ça après je m'en foutais qu'il soit rouillé parce que le châssis sera repeint. De toute façon, bon, pas tout de suite, hein, ça fait plusieurs années que je dis qu'il faut que je repeigne le châssis, mais c'est toujours pas fait. Et c'est surtout que j'avais essayé de monter un patin de chaîne d'un autre véhicule et j'avais percé le châssis pour poser des hélicoïdes. Le problème c'est que j'ai pas assez de matière. J'aurais pu éventuellement reboucher les trous à la soudure, mais bon, pourquoi se faire chier en sachant que le bras est baisé de toute façon. Là, ce que je vais faire, je vais décaper où on met l'axe, parce que c'est quand même rouillé à l'intérieur. Je vais nettoyer le bras auxiliant, je vais nettoyer le patin de chaîne. À cet endroit-là, ce que je vais faire, en dessous du patin, c'est que je vais y coller de la graisse. Vous allez me dire, mais pourquoi coller de la graisse? Un endroit où il y a une pièce en plastique. Bah, c'est tout simple. C'est parce que même si c'est du plastique, ça ne va pas te plaquer à 100%. Et l'eau peut rentrer en dessous, se mettre entre le patin et le bras, et rouiller. Et vu que je ne sais pas quand est-ce que le châssis va être repeint, je préfère prendre des précautions que d'éviter d'avoir de la rouille. Voilà. Je ne sais pas de quelle année est ce bras-là. Je sais qu'il y a eu des modèles où il y avait... où les peintures étaient protégées, il y avait des peintures anti-rouille. Mais après, je ne sais pas s'il y a eu des modèles où il n'y avait pas de peinture anti-rouille. Donc, vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc, je vais nettoyer ça hors caméra, puis on se reprend tout à l'heure pour le remontage. Donc, le bras auxiliant est à remonter. Donc, je ne l'ai pas filmé parce que j'en ai chié. Hein. Il y a un défaut, un problème dessus. C'est pas un défaut, c'est un problème. Il a été plié pendant le transport au niveau d'un des deux cylindres blocs, hein, donc il a fallu que j'aille le redresser un petit peu à l'étau. Bon, j'ai pas pu l'avoir à 100%, hein, ça c'était sûr et net. Et le problème c'est que pour le monter, il a fallu être deux. Et bon, la personne ne voulait pas spécialement être filmée, donc je n'ai pas filmé. Là, je suis donc le bras il est remonté, il est serré avec le nouveau patin de chaîne. Donc dans le coup, j'ai pas mis de graisse, hein, comme j'ai dit. Parce que ça m'a tout simplement énervé le coup du bras. Bon, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec des pièces d'occasion. Et là, en fait, je suis en train. Alors, je sais pas si on va voir, peut-être en vous rapprochant. On dézoome un petit peu. Ah, il est là. Donc, je suis en train de vider le bocal de frein de son liquide. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait je remplace le disque de frein et les plaquettes comme je vous ai dit. Le problème c'est que quand je vais pousser les pistons, le liquide va monter. Je vais retirer les vieilles plaquettes de frein. Pour les plaquettes, je vous ai assemblé un peu la lumière. Vous avez
des épingles qu'il faut enlever. On a une. La deuxième, elle se trouve ici. Vous prenez par l'arrondi avec une pince. Vous tirez en tournant un petit peu. Et voilà, les plaquettes sont enlevées. Alors celle-là, en fait, il m'en manque carrément un bout. Je vais remettre un petit peu de lumière. Voilà. Là, par contre, ça va pas, la lumière. Voilà. Là, en fait, il m'en manque un morceau. Et bon, elle commence à être un petit peu attaquée. Hein. Surtout, j'en ai surtout une qui est bien attaquée. Donc, je vous ai remis la lampe. Un petit peu. Voilà, donc là, j'ai vidé une bonne partie du bocal. Hein. Je peux pas tout enlever, de toute façon, ça, c'est pas possible. De toute façon, je referai le niveau quand le disque et les plaquettes seront montées. Là, je comprime les pistons avec une pince. Je remets une plaquette dedans. Et en préférence, là, vous le faites avec une vieille, hein, parce que ce serait peut-être pas trop le moment de baiser. De baiser les pistons. Vous allez voir pourquoi j'ai enlevé du liquide de frein. Normalement, vous avez déjà dû le voir. Parce qu'en fait, en écrasant les pistons, eh ben ça ramène du liquide de frein dans le bocal, c'est normal. Maintenant, je vais bien refaire l'autre. Piston qui me casse les bonbons. Bon, je tiens quand même à le dire. Hein. Le mieux, ça reste tout de même un écarteur de piston. Moi, je ne l'ai pas. Donc, ça ira très bien comme ça. Bon, le problème, c'est que j'ai un piston qui ne veut pas rentrer. J'arrive pas à comprendre pourquoi d'ailleurs. C'est pas logique. Je vais essayer avec un axe. On se reprend après. Maintenant, vous devez voir que le liquide est remonté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout de suite. Alors, j'en ai remis un peu parce que là, les pistons sont poussés à fond. Quand je vais remonter les plaquettes, le disque et tout ça, il va falloir que je pompe un peu sur le frein. Pour que les pistons s'écartent. Et il faut laisser du liquide dedans pour éviter que ça fasse des bulles d'air. Donc voilà, on va changer le disque de frein. Donc je vais déjà enlever le vieux. Hein. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, j'ai acheté des pièces chez 50 Factory. Hein. Bon, à part les plaquettes qui viennent de chez mon concessionnaire. J'ai le levier d'embrayage et l'espèce de caoutchouc là, qui vient à la poignée. Ça ne sera pas filmé. Changer un levier d'embrayage en vidéo, je vois pas trop l'intérêt. Pensez à bien vérifier quand vous voulez changer votre disque de frein. Pensez à bien vérifier avant de commander, que ce soit chez concessionnaire ou internet, de vérifier le diamètre de vos trous de fixation parce que il peut y avoir différents modèles. Alors là, je remplace pas les boulons, enfin, comme de l'autre côté. Hein. De toute façon, ces boulons là ils sont en inox. Je les avais remplacés, j'avais foutu des boulons en inox. Deux avantages, ça grippe pas, enfin ça grippe pas, ça rouille pas et ça casse pas surtout.
il n'y a pas de couple de serrage. Enfin, il doit y avoir un couple de serrage, mais je le connais pas. Là, on va quand même dégraisser déjà le disque. Alors moi, je le fais à l'alcool à brûler à 90 degrés. Mais bon, vous pouvez le faire du nettoyant frein et de l'acétone. Moi, j'utilise ça parce que bah, j'ai que ça, tout simplement. Vous faites ça avec un sopalin, ouais. Vous allez voir que ça va s'évaporer. Voilà, maintenant une fois que ça c'est fait, vous remettez la roue déjà dans son emplacement. Ah putain. Vous renquillez chaîne sur la couronne. Alors j'ai pas remis le guide de chaîne, hein, mais vous inquiétez pas, je vais le remettre après. Hein. C'est juste que je vais regarder ce que je l'ai eu avec le bras, et je vais regarder si celui du bras auxiliant que j'ai eu avec le nouveau bras, je vais regarder s'il est pas en meilleur état quand même. C'est pour ça que je l'ai pas remonté. Allez, plaquettes de frein. Donc j'ai pris des new frames. Par contre, c'est pas des plaquettes rainurées, ça m'emmerde un peu. Parce que les plaquettes rainurées sont quand même. Ils ont quand même un meilleur freinage hein, que les plaquettes classiques. Hein. Mais bon. Pas de raison que ça n'y aille pas. À la base, je mettais des Bandix, hein, mais j'arrive pas à en trouver actuellement, donc bah, je mets ce que je trouve. Alors, j'espère que je vais pas avoir le même problème que chez les plaquettes Brembo. La belle surprise. Donc j'ai la même merde qu'avec les plaquettes Brembo, donc je ne peux pas rentrer les épingles. Regardez bien. L'épingle ne rentre pas. Elle rentre comme ça, mais... Elle rentre comme ça. Mais normalement, c'est pas comme ça qu'elle se met. On va essayer, on va bien voir. Là, forcément. Attendez. La deuxième. Alors vous allez voir, hein, c'est la merde à mettre hein, sur certaines plaquettes. Hein. Voilà, c'est bon, c'est monté. Maintenant, j'écarte un petit peu mes plaquettes, j'engage mon disque. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à foutre la roue. Logiquement, c'est quand même le moins chiant à mettre.
ardoise de la roue. Là, je vais serrer la roue. Bon, je ferai le réglage de la tension de chaîne après. Parce que j'avais vu que quand j'ai démonté la roue, que ça avait encore bougé, ça. Le tendeur. C'est pour ça que j'ai changé le bras auxiliaire complet. J'ai foutu une lettre. Donc, je vais quand même l'amener en butée, mais je ferai le réglage après. Donc, je serre la roue gentiment, pas comme un. J'avais raison, tension de chaîne sera à faire. C'est pas si ça tourne. Mais il va falloir que je redétende un peu la chaîne après. J'ai commandé un nouvel axe pour la pédale de frein. Donc cet axe-là, que j'ai commandé. Bon, c'est pas du neuf, hein, c'est de l'occasion. Alors je le change parce que le mien a une sale tronche quand même. Bon bah ça ils l'ont pas démonté correctement à première vue, vu la tronche qu'il a au niveau de la goupille. Voilà. Hop là. Maintenant on pompe un peu. Il y aura peut-être une purge à faire quand même. On verra ça après. Mais là déjà ça freine. Maintenant le truc que je vais faire, je vais couper la caméra et je vais faire le réglage de la chaîne. Donc c'est bon, la chaîne est réglée, le guide de chaîne est monté, plaquette, disque de frein monté, ça je referai le niveau après. Pour le réglage de cette pièce là, de cet axe là, il y a un truc important qu'il faut savoir. En fait, vous desserrez l'écrou et vous le dévissez jusqu'à ce qu'il vienne juste toucher. Il faut qu'il touche, mais qu'il n'enclenche pas le piston. Si vous le rentrez de manière à ce que ça rentre le piston dedans, vous allez avoir le frein qui va s'actionner tout seul. Il faut juste l'amener en butée. Le mieux, ça serait, vous l'emmenez en butée et vous le desserrez d'un millimètre. Un petit millimètre, comme ça. Il faut qu'en fait, il bouge un peu. Vous le sentez normalement au doigt qui bouge. Là, tout à l'heure ça freinait pas parce qu'en fait il n'était pas desserré ce truc là. Regardez. Ça va mieux. Hein. Donc il n'y a pas de purge de frein à faire. Alors quand vous allez changer les plaquettes de frein et le disque, vous allez vous rendre compte d'un truc. Je vais vous essayer de vous montrer ça quand même. Ça pourrait éventuellement faire flipper certaines personnes.
Vous allez voir que votre roue tourne pas très librement. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Là, c'est parce que j'ai un disque de frein neuf. J'ai un disque de frein neuf et des plaquettes neuves. Donc ça va être le temps que le jeu se fasse. Quand on aura roulé un peu, ça le fera. Ouais, c'est bon. Donc bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc elle va être un peu longue, je pense. On verra bien. Donc vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Méca Boîte. Vous pouvez vous abonner également à mon Instagram, hein, lien dans la description. Likez, partagez les vidéos. Et surtout, regardez les vidéos entièrement, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Bah, à une prochaine.